Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est ici Célandron pour ce deuxième épisode de mon let's play sur l'acte 8 du jeu Age of Empires 3 Complete Collection, la campagne de l'Inde. Et donc la dernière fois on avait rencontré, je sais plus comment il s'appelle, c'est notre héros qui est en fait du côté de la Compagnie des Indes, c'est un indien du côté de la Compagnie des Indes qui a tendance à se poser des questions sur est-ce que ce qu'il fait c'est bien ou pas. Et du coup, bah on va continuer son histoire. C'est parti. Alors, je vous avais laissé. Donc, il fallait qu'on fasse quoi? C'est la question que je me pose. Dirigez-vous vers l'est jusqu'au centre-ville de la compagnie. D'accord. Donc, on a toute sa communauté. Ok. Donc, je suppose qu'il va y avoir des saloperies sur la route. Réserve de vie valant 360 nourriture. Ah oui, mais il y a beaucoup d'ennemis. Ouais, voilà. Voilà. On fait ça comme ça. On a utilisé Laura. Ah. Ok. Éviter de perdre des unités, ça serait bien. On fait le tour. J'espère que ça passe. Normalement, ça devrait passer. J'ai l'impression que ça a l'air. Alors, il y a des mecs avec des trucs de feu. Ok, on y arrive. C'est bon. Il y a des baies, il y a des bâtiments. Il y a quelques unités. Des cipayes. Il y a moyen qu'on fasse quelque chose. Alors, on n'a pas de villageois Nous par avons contre. atteint le village juste à temps. Alors, ah si, il y a des villageois quand même. Voyez ces villageois. Mon peuple me regarde avec tant de méfiance. Je ne pourrai jamais m'y habituer. Ah bah si t'as choisi d'être du côté de la Compagnie des Indes, c'est sûr que Yes. tu l'apprécies pas forcément. Tunique rouge, c'est marrant. Alors, donc on est à l'âge 3. Je regarde un petit peu les unités Les qu'on a. rebelles s'en prennent à la compagnie autour de Calcutta. Ils se terrent dans les villages comme des rats. Trouvez-les et montrez-leur que la compagnie ne tolère aucune atteinte à son autorité. Ok, d'accord. Donc il va Hello. falloir faire des petits bâtiments aussi Makan pour banane wala. augmenter. Donc il faudra détruire des casernes. Makan banane wala. Alors là, je vais avoir besoin de pas mal de colons. Donc autant construire des maisons maintenant. Donc je fais la construction des maisons en fait. Ensuite, j'envoie les cartes. Parce que chaque fois que j'envoie une carte, je récupère un villageois. Donc ça va me faire déjà 3 villageois supplémentaires. Et de l'armée. Toc, voilà. Ensuite, une fois que j'ai tous mes villageois, enfin, je vais refaire un 10-10-10 encore. Ouais, ça m'attaque. Oula, ils sont beaucoup Les en plus. rebelles ne doivent surtout pas avoir le dessus. Protégez les intérêts de la compagnie à tout prix. Ils sont beaucoup en plus. Ils sont beaucoup. C'est des chakrams, d'accord, les chakrams donc qui sont assez solides. On va se méfier. Alors je vais laisser mes unités par ici. Toi j'ai te réparé gentiment. Et puis je vais faire en sorte pour que. Hop, on va réparer un petit peu les murs. Je vais essayer de faire en sorte que. Merde, comment dire? Que ça soit protégé ce poste de commandement, sinon on va pas y arriver. Alors, deux villageois. Ça va passer à 5, 6. Donc là, je suis à 8. Je vais essayer évidemment de faire un 10, 10, 10. Bon, alors, j'y arrive, mais c'est un peu compliqué parce qu'en fait, ils attaquent de deux fronts. Ils attaquent là-haut et en bas. Et en fait, ils sont très très chiants à attaquer vraiment toutes les minutes. En haut, en bas, et ça me saoule beaucoup. Mais bon, j'y arrive.
Là, je suis à 8, 9. Ah, voilà, regardez, ça attaque encore. C'est toujours les mêmes, hein. C'est deux chakras et deux lanceurs de incendiaires. Regardez, ça arrive toujours par paquet, comme ça, en permanence, c'est très chiant. Donc il va falloir que je protège correctement. Là-haut, j'ai mis un château, j'ai utilisé un pousse-pousse, et puis j'ai fait venir des petits charmeaux pour protéger mes villageois qui utilisent du bois. Alors, les quatre sauvages, je vais peut-être vous remonter ici. Toi, tu vas me faire... Tu veux aller me chercher ça, la nourriture, je vais en avoir besoin. Faudrait peut-être qu'on change d'âge à un moment. Château. Je vais faire un château par ici, comme ça au moins on sera un peu plus tranquille. Voilà, faudrait que je change d'âge, évidemment. Donc la réserve produit de la nourriture. Au niveau de l'or, on est nickel, on est à 1900. Faudrait peut-être que je monte encore un petit peu la vie des... Le nombre d'unités possibles. Voilà. Je vous disais que c'était chiant, c'est vrai que c'est vraiment chiant. Et plus ça va, plus j'attaque en nombre. Donc il va falloir que je fasse quelque chose très vite. Éliminer ces casernes. Le milliard de casernes qu'il possède, c'est très chiant. Une fois que le château sera fait, ça sera bien. Ouais. Il va falloir que je fasse évidemment caserne, tout ça, et puis on va pouvoir attaquer. Ok, donc là on est bon. Ah! Ça réattaque toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, ils sont nombreux là en plus. T'allais me dire, ça fait de l'XP. Ça fait de l'XP un petit peu au détriment de mes unités, donc bon. C'est pas ultra méga worse. Là, ça réattaque là-haut. Alors par contre, si vous pouviez vous bouger le cul... Du coup, j'ai perdu une unité. J'ai essayé de faire ce tigre. Voilà. Ok. Du coup, j'ai perdu une unité qui va aller récupérer du bois. Alors, les 5 Rajputs. Revenez ici. Toi, voilà, on va quand même pouvoir faire quelque chose. Toi, tu peux entraîner quoi, d'accord? On va mettre une caserne. Une écurie. C'est... Ok, non, ça c'est bon. Et là, je pourrais changer d'acte... D'âge, pas d'acte, d'âge. Je vais pouvoir changer d'âge, donc je vais faire une unité, enfin je vais faire un bâtiment et puis on sera plutôt pas mal. Une fois que le caravanserail il sera bon, on va poser des unités. En fait, je pense qu'on va garder des unités qui vont protéger ici. Vu que ça arrête pas d'arriver tout le temps. Voilà. Vu que ça arrête pas d'être chiant comme ça, eh ben je vais faire des unités qui vont protéger en bas et moi je vais améliorer tout ça. Oh, ça coûte tellement de bois. Alors, on va faire venir toutes nos unités ici. Ah, ça coûte du bois. Alors, changement d'âge. Ah, j'ai plus 2000 de bouffe. Bon, ça va venir. 1200 bois, pouvoir inspiration, amélioration temporaire PV1, c'est pas mal ça. 7 gurkhas, puissance d'entourage pour entraîner des unités. Chamineur, c'est 2 mahouts, 1500 pièces, cessez-le-feu. Ramassage proche amélioré. Bof, je pense que la tour de la victoire ça peut être pas mal. On va attendre un peu qu'on récupère de la nourriture et puis ça sera bon. En attendant. Tu vas me continuer de me faire des...
Ok. Oula, il était un peu bugué là. Ok. Hello. Allez, c'est parti. On va le mettre là. On va pouvoir changer d'âge. Ensuite, ça réattaque. C'est pas très compliqué, mais en fait, ils m'ont à l'usure, c'est chiant. Alors, 7 Gurkha plus un villageois. Ah, il n'y a plus d'or. Ah, vous voyez, ils réattaquent tout de suite derrière, c'est relou. Mais ça n'a pas l'air d'être les mêmes. Vous allez faire une nouvelle rizière, et puis vous, vous allez récupérer de l'or à cette rizière. Voilà. Ça sera déjà pas mal. Oh, le mammouth, il coûte 400 de nourriture. Ok. Je commence vraiment à avoir de moins en moins de vie. Ok. J'ai oublié de te réparer, toi. Et du fanfléau qui est efficace contre les bâtiments. Château de colline, ça peut être pas mal aussi. Ah non, mais passer en mode or. Ouah! Ils sont en train de m'écharper mes unités. Not fun. J'ai envoyé mes Gurkhas en bas. Toi, tu vas récolter du bois. Inspiration augmente nettement. Ah, c'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Ou alors, tu vas récupérer le. Ouais, c'est ça. Tu vas récupérer ça. Ok, maintenant que nous avons changé d'âge. Oh, ta mère! Maintenant que nous avons changé d'âge. Alors déjà on va faire ça. Toi tu vas aller chercher ça. On va pouvoir améliorer encore des unités. Ah, tellement de bois. Il me faut trop de bois. Ok. Il faut du bois partout, 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 partout. Et on va faire des unités qui vont directement aller. Qu'est-ce que tu fais, toi? J'étais parti. J'ai pas tout compris. Alors, on va directement. Ah, c'est 600. 600, c'est beaucoup quand même. Hein. Ok, on va commencer par ça. Et faire venir toutes les unités ici. Les mammouths, ça coûte tellement cher. Ah, plus assez de pop. Bon. Va falloir que je fasse encore des bâtiments. On va attendre que lui finisse de tout récolter. Parce qu'il y a pas mal de bois disponible. Ce qui est une très bonne chose. Et ensuite, on va attaquer. Les premières unités sont là. C'est censé healer cette unité, mais alors. Ah ouais, ça heal, mais ça heal pas super vite, hein. Alors. 14 cipayes. Ah, peut-être que 14 cipayes, ça peut être pas mal.
Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils se splittent comme ça à mort? Putain, parce que du coup ils... Ah là là. Oh là là, je vais essayer de vous mettre derrière parce que là je vous m'énervez vraiment beaucoup. Alors, mais non, mais arrêtez d'aller là-bas. C'est pas parce qu'il y a plus de bois ici que vous pouvez pas aller chercher celui qui est à côté. Ah. Ok. Toi, tu vas me faire des bâtiments de population. Pas simple là, comme truc, et ils attaquent dans tellement tout le temps. Ça se fait. Et mes unités se décalent tellement tout le temps aussi. Alors, maintenant je pense qu'on est bon. Plus assez de population, évidemment. Alors, finissez-moi ça, voilà. Qu'est-ce que j'attaque? Je vais refaire des unités de... Plus assez de place. Allez, finis-moi ça. Avant que les Rajputs soient finis, ce serait cool. Ouais, je vais améliorer un peu les unités. J'ai plus assez d'or. Donc on va améliorer rapidement tout ça. Ok, là je pense qu'on va pouvoir commencer à faire quelque chose. Avec ceci. Je pense qu'on va mettre ça en 1. Et grâce au buff, on devrait pouvoir, bien attaquer. Merde, j'ai dû... Il est fort probable que j'ai piqué. Non, je pense pas. Ça m'a pas l'air. Ok. Alors, ça va m'attaquer en bas, évidemment. Donc, c'est parti. On va pouvoir enfin s'occuper de ces casernes. Il y en a 8 à détruire. Il y a des châteaux. Allez, attaque et point de vie accru. 3 d'inspiration restant. C'est tout? C'est si court que ça? Alors, le château, c'est bon. Alors, arrêtez de faire des unités aussi vite, c'est très chiant. Donc, une caserne en moins, ça c'est bon. On va essayer de continuer, il doit y en avoir un peu partout de toute façon. Alors. Ah voilà, il y en a une là. Il y en a même une à côté. Allez, on va détruire ça rapidement. Tout c'est détruire les casernes le plus vite possible. Pour éviter justement qu'ils me repopent sur la figure. Comme ce qu'ils font. Alors, troisième caserne. Il doit y en avoir qui traînent. Oh, beaucoup d'or ici. Wow. Il a pas aimé là, il y a tout le monde qui s'est réveillé. Da, blâme. C'est ferme ta gueule. Alors. Ça a l'air d'aller. Il doit y en avoir en haut encore. Hein. Oui, il y en a en haut, donc on va passer par là.
Il doit rester. Donc on en a fait 3, c'est pas mal. Je vais faire revenir des Rajput. Kaya. Ah. On en a Hey, fait 3, on est Gordon. plutôt bien. Yes? Hello? On va améliorer quelques unités. Et je ferai... Pourquoi il y a un villageois ici? Vous me faites particulièrement chier, vous savez. Vous n'arrivez pas à vous déplacer. Alors, en vrai, ici, ça servait à rien de passer par là. C'est super. Donc, on va faire le tour. Ah, mais j'ai un villageois dans le groupe. Allez, faites venir par ici. On va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Il doit y avoir des casernes, vu que ça arrête pas d'attaquer. Oh, un comptoir. Peut-être que je me serve de ça d'ailleurs un jour. Il doit y avoir des casernes pas loin, vu qu'il y a des bâtiments. Il y a moyen qu'il y ait des casernes. Alors. D'ailleurs, je vais peut-être faire venir un de mes gars. Alors. Aïe. Quelques unités qui prennent cher. Frères, prendrons notre revanche. Ok. Encore un comptoir. Ça a l'air de gérer ici. Faire venir des unités. Là, par là. Si ça pop comme ça, alors... Non, en fait non. On va juste espérer qu'ils vont pas nous tomber dessus. Alors, améliorer la vitesse. Bah alors, elles sont où ces casernes? Je vais lui faire faire le tour. En espérant tomber sur une caserne. Et puis, bon, elles doivent être tout en bas de toute façon. Pourquoi vous êtes aussi inactif? Ah bah voilà, j'ai enfin retrouvé une caserne. Bon, j'en aurai au moins une, ce qui fera la moitié. Sachant que j'ai des unités de réserve, parce que là je crois que je vais en avoir... Ah, une deuxième, cool. Je vais avoir besoin des unités de réserve dans pas longtemps. En voilà deux. Je pense qu'il y en aura encore là. Bim. Ça descend tellement vite. Allez, la seconde caserne. J'ai fait un mix entre seconde et deuxième. Seuxième. Alors, hop. Je fais des comptoirs aussi, ça peut être toujours utile. Aïe. Voilà. Ok, donc, caserne suivante, c'est fait. Tant pis pour lui, c'est pas grave. Alors, donc il n'y en a plus par ici, je pense qu'il va y en avoir à droite, là, dans le passage. Sinon, je sais pas où ils sont. Parce qu'en fait, il y en a qui pop en dehors de la carte, je suis d'accord, mais bon. Non, c'est pas eux qui font le plus chier. Allez, par pitié, dites-moi que les trois dernières sont là. Ah oui, je pense que les trois dernières sont là. Je vais utiliser d'ailleurs ma réserve.
On va faire contrôle 2. Contrôle 1. Merde. Contrôle 1, c'est lui. Alors, il y en a voir là. Ah, c'est long. Qu'est-ce que c'est long? Ah bah voilà. Une, deux. Allez, la troisième, s'il vous plaît. Dites-moi qu'il y a la troisième qui traîne. J'ai pas envie d'aller la chercher à Petaouchnok. Vous pouvez prendre mon dernier souffle, mais jamais mon pays. Ben, un peu si en fait. Un, deux, hop. Ok. Bon, tout ça me dit pas où est la... Vous faites de bonnes cibles. Où est la dernière caserne? Je sens qu'elle est cachée quelque part. Ça va être extrêmement relou d'aller la chercher. Alors, ce que je vais faire plutôt... Ça va assez vite ces trucs. Je vais les faire courir un petit peu. Non, ça c'est le bord de la carte. Je vais faire courir un petit peu les... Ah non, mais ça c'est le bord de la carte aussi. Hop. Je vais aller chercher un petit peu cette caserne, savoir où est-ce qu'elle est. Ah, peut-être là. Non, ça m'étonnerait, mais... Bon, je l'ai trouvé. En fait, elle est totalement à l'opposé de là où j'étais. Super. Trop cool. Allez, c'est parti, il va falloir y aller. Ça va prendre un temps fou encore. Bon, ça y est, fini le truc, c'est bon. Ah, c'était long. C'était très très long. Bon. Éteint. Rendez-vous, vous serez épargnés. C'est un combat à mort. Les Anglais n'ont aucun droit sur ces terres. Vous voulez mourir? Trouvez-vous un autre endroit pour cela. Posez vos armes. Vous ne reprendrez pas l'Inde comme cela. Nous n'avons aucune chance. Pas tant que nos frères porteront les couleurs de l'ennemi. Pour assurer l'avenir de l'Inde, il faut coopérer. Coopérer? La compagnie nous a tout pris parce que nous coopérons. Partez donc. Vite. Tant que je compatis encore. Chouet, lieutenant! Ils vont tous se faire massacrer! Oh, je ne m'en serais pas sorti mieux moi-même! Mais je... Comment elle se fait baiser? Oh là là! Allez, on va continuer. Toujours mes cartes, elles sont bonnes. Mai 1857. De quelle quantité de sang les mains d'un homme peuvent-elles être tachées? Nul horizon ne s'offre à moi tant que je porterai ce manteau couleur de sang. Je commence à comprendre ce que ce garçon qu'on a exécuté a dû ressentir. Lorsque nul horizon ne s'offre à vous, c'est à vous de le dessiner. Oh, que c'est bien dit. Le premier tir. Que se passe-t-il encore? Les hommes refusent de se servir des nouveaux fusils, colonel. Et comment comptent-ils affronter l'ennemi? Découvrez la raison de cette sottise, lieutenant. Colonel, les cartouches contiennent de la graisse de porc. Leur religion leur interdit tout contact avec du porc. Ils ne peuvent donc pas les ouvrir avec leurs dents.
Je me moque de leurs croyances. Dites-leur qu'ils doivent m'obéir ou ils seront exécutés. Mais colonel... Vous, lieutenant, prenez ce fusil. Montrez-leur l'exemple. Mais je... Colonel, je partage les croyances de ces soldats à ce sujet. Ramassez ce fusil! Toutes mes excuses, mais c'est non. Ceci est un ordre, lieutenant. Obéissez! Prenez ce fusil! Oui, colonel. Vous ne vivrez plus longtemps, Nanib! Faites-moi confiance! Tout ça pour de la graisse de porc. Ils sont très très forts. Résistance. Notre petite guerre ne fait que commencer. Et c'est moi qui la remporterai. Oui, mais ça sera dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode, bien qu'il ait été un peu long et un peu chiant, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à la chaîne si vous êtes toujours pas abonné. Et quant à moi, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien !